Gwen Juno, on va parler de Aigle Génilou au départ de ce quintet. Il a couru la Côte d'Azur. Comment vous avez jugé sa course ce jour-là? Un peu moyenne, il manquait de conditions encore. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas couru, un peu trop à ce niveau-là. Oui, puis le lot était quand même relevé. Oui. La vis, Bold, il y avait quand même un bon lot. Il a gagné en condition là depuis cette sortie? Oui, il a l'air un peu mieux. Ouais. Et sur la montante donc le choix? Oui, faut espérer. Après il a plus de marche quoi. Oui, mais le lot par contre est moins relevé. Le lot est moins fort, c'est sûr. Il y a Viking d'Hermès quand même qui est un super bon cheval. Et puis il y en a 3-4 autres aussi. S'il est dans les 5, ce sera bien. Ouais, théoriquement, bon lui son talon d'Achille, c'est un petit peu les départs. Hein. Ah ouais, il part doucement malheureusement. Ouais, c'est un peu dur maintenant, c'est pour ça qu'il a plus de marche. En tout cas, bon, pour être dans les 5, on devrait l'envisager sérieusement. Normalement, oui, on espère dans les 5. D'accord, il court déferré toujours ou comment il... Là, il va rester ferré devant, je pense. D'accord. Juste d'épée avec des tout petits fers devant, vraiment rien. D'accord. Donc on verra bien.